Cette montre que vous voyez là, à l'écran, a fait la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1916, elle a été sur différents fronts, dans les mains de mon arrière-arrière-grand-père, Antonin Guillaudeau. Par la suite, en 1917, lui qui avait été mineur avant, fut renvoyé dans les mines, puisqu'une partie du coup des soldats furent mobilisés dans les unités productives indispensables à l'effort de guerre. Parmi elles, il y avait la production de charbon qui produisait toute l'énergie dont le pays avait besoin, en temps normal déjà, et encore plus du coup dans cette situation de guerre. Et donc à partir de 1917, c'est pour ça qu'il n'a pas gravé sur cette montre 1917, dans son expérience vécue, il a été mineur, même s'il était encore soldat officiellement. Mais du coup, durant les 3 années qu'il a fait au front, il a été blessé plusieurs fois, une fois au pied, il a été amputé d'un orteil, et une fois à la tête, suite à l'effondrement d'un abri où il se trouvait dans le cadre de la guerre. Mais si vous voulez en savoir plus à son sujet, il y a une vidéo sur lui sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description de ce short.